Et bonjour, aujourd'hui une petite vidéo eh bien pour vous présenter en fait des LED, oui des LED, eh bien pourquoi? Eh bien pour la simple et bonne raison que mes super lights sont tombés en panne, en tout cas d'un côté. Alors il faut savoir que j'avais envoyé à plusieurs de mes abonnés des super lights d'un magasin autre que celui que j'avais pris pour moi. En fait moi j'avais les premiers qui avaient été, que un seul gars les faisait à ce moment-là. Et j'y étais retourné deux fois, et deux fois il y a eu des problèmes. Et là, je pète un câble et je me dis, bah tiens, je vais acheter des LED, je vais voir comment je vais essayer de dépatouiller tout ça, mais de faire mes propres super light, voilà, avoir quelque chose qui tient un minimum. Parce que là, ça me fait déjà deux fois que ça tombe en panne, donc comme quoi le cordonnier est souvent le plus mal chaussé. Hein. Donc, j'ai trouvé ces LED dans un sorte de. Foire fouille, hein, ça s'appelle Mister DIY Air, ici. Et le fait est, c'est que je vais essayer d'adapter ces LED. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes en fait qui agissent par projection à l'arrière de mon véhicule pour l'éclairage de plaque. Il y a deux couleurs, hein, c'est-à-dire vous avez du blanc hein, qui correspond au LED jaune et du orange bah, qui correspond aux lumières orange. Et c'est des LED qui ont un microprocesseur, donc avec un défilement. Alors le microprocesseur, vous le voyez à l'arrière. Et ce qui est bien sur ce type de LED, c'est que vous pouvez vraiment les couper à la taille souhaitée, après à condition bien entendu de silicone et tout ça. Voilà, tout simplement, là où vous aurez coupé, il faudra étanchéifier avec du silicone. Je sais ce que je fais pour ma part. Enfin, voilà. Donc là, le challenge, ça va être donc de réparer mes super lights. Et bah, en quoi ça peut intéresser mes abonnés? C'est tout simplement, bah, si je réussis, hein, voilà, c'est pas mon fort électricité parce que déjà, je suis pas très très patient déjà. Mais bon, là, ça n'a pas l'air d'être très très compliqué à faire. Donc, si je réussis, eh bien, bah, je pourrais mettre en vidéo une méthode simple avec des éléments de bricolage simple aussi. Parce que si la méthode fonctionne, ça permettrait à tout le monde, hein, où que ce soit, en France, à moindre coût, d'avoir des super lights. Et tous les gens qui ont des Forza, bah, voilà, de se faire leur propre super light à la maison. Donc voilà, donc rien n'est gagné, rien n'est fait. Voilà, ça se trouve, je vais faire comme mes abonnés, je vais m'en prendre au même endroit, et puis c'est tout. Et puis si ça se trouve, si ça fonctionne, et ben ce sera tout bénéf pour moi, mais aussi pour l'ensemble des abonnés qui souhaitent mettre des super lights dans leur véhicule. Voilà, voilà, ciao, ciao, bye bye.